chers téléspectateurs de la RTVC, après 25 ans d'évangélisation et d'implantation d'église en Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meynier a régulièrement conduit le peuple de Dieu dans les prières et les jeûnes pour le renversement des principautés personnelles et familiales, une âme que le Seigneur lui a révélée pour le salut des familles et la bénédiction du peuple de Dieu. Qu'est-ce que les principautés? Comment les renverser? Quelles sont les principales doctrines qui encadre cette révélation? Il est là pour nous en parler. Pasteur Boniface Meynier, bonjour. Bonjour, sœur Huguette. Vous êtes leader national de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, qui compte près de 55 000 membres répartis dans 2225 églises de maison à travers le pays. À Abidjan, nous avons près de 18 000 membres. Vous êtes aussi écrivain. Vous avez écrit plusieurs livres, dont 8 sur le marché et 1 en voie de production. Nous parlerons particulièrement de 2 en rapport avec la thématique du jour, le renversement des principautés personnelles et familiales. Alors, je m'en vais vous demander ce que c'est que le renversement des principautés personnelles et familiales. Merci. Vous l'avez déjà dit en partie. Il s'agit d'une arme que Dieu nous a révélée pour introduire son peuple dans ses bénédictions. C'est une guerre contre les méchants esprits. Les principautés, c'est quoi? Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul dit ceci. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc nous avons à combattre contre les puissances des ténèbres, les puissances sataniques. Et il y en a qui sont dans les lieux célestes. Comme nous venons de le lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il y en a qui sont dans les abîmes. Il y en a qui sont dans les eaux. Il y en a qui sont dans les montagnes. Il y en a qui sont dans le séjour des morts. Il y en a qui sont dans les forêts sacrées, ces endroits où on adore le diable, qu'on peut appeler le trône du diable, comme la Bible dit dans l'Apocalypse. Donc, quand tu engages une vie de prière qui permet à l'Église de remporter la victoire sur ces esprits, de les renverser, c'est-à-dire de les faire perdre leur position à partir de laquelle ils dominent sur les individus, c'est ça qu'on appelle renverser les principautés. Et le terme nous vient de 2 Corinthiens chapitre 10. Et voici ce qui est écrit à partir du verset 5. Il est dit, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, c'est ça les principautés. Il faut les renverser. Donc il faut mener un combat qui les fait perdre la position d'ascendance qu'elles ont occupée à cause de l'idolâtrie. C'est-à-dire au fur et à mesure que les peuples adorent le diable, à travers les sacrifices, les effusions du sang d'animaux, le diable envoie des esprits pour dominer sur eux. C'est comme si les louanges à Satan libèrent une notion, une puissance qui fait en sorte que les esprits dominent sur les individus, sur les villages entiers, sur les villes entières. Donc, Dieu nous a révélé comment entreprendre des prières et la sanctification pour que ces esprits perdent cette position et qu'ils tombent. Quand ils perdent la position et qu'ils tombent, ou alors quand on les renvoie dans les abîmes où ils sont venus, ou quand on les renvoie dans le séjour des morts, c'est ça qu'on appelle, on a renversé les principautés. Mais avec la pratique, on verra que c'est Dieu qui les renverse. Mais c'est l'homme qui initie le combat en suivant les instructions de Dieu. Quelles sont les circonstances qui ont amené à l'existence de cette révélation? Bon, en tant que pasteur, nous avons porté beaucoup de fardeaux. J'ai donné ma vie à Jésus en 81, c'était au mois de septembre. Très tôt, je me suis mis à rendre ministère pastoral. C'est-à-dire, j'ai rendu visite aux frères chez eux. J'ai partagé les fardeaux avec eux. Je leur posais des questions pour que si je constatais qu'il y avait la lenteur, il y avait un essoufflement, je m'approchais d'eux pour
chercher à savoir quelle était la cause. J'ai découvert que beaucoup de frères souffraient parce qu'ils étaient malades. Il y en a qui avaient des problèmes de démons. Je me souviens qu'une sœur qui s'appelait Madame Gassa, elle était régulièrement malade. Elle était infirmière, son mari était médecin, mais c'est elle qui était toujours malade. Et une sœur en Christ. Une sœur en Christ. Quand elle adorait Dieu, c'était face contre terre. C'est-à-dire au niveau du zèle humain, visible, elle était première parmi nous. Alors, je ne comprenais pas, étant jeune converti, comment une femme aussi dévouée pouvait souffrir d'une maladie chronique. Elle était chétive. Et puis, elle était de la santé. Son mari était médecin. Donc, un jour, notre pasteur a organisé une prière de délivrance. Chacun venait confesser des choses qu'il avait faites, des choses qu'il avait faites, en fait des péchés qu'il avait commis. Et on s'est mis à prier maintenant pour que les esprits se manifestent et qu'ils s'en aillent. Bon, je n'ai rien senti ce jour-là sur moi-même. Mais mes regards étaient maintenant sur la sœur en question. Elle est tombée et on s'est mis à chasser le démon. Le démon disait qu'il était un démon de maladie, qu'il est venu pour rendre la sœur malade. Bon, j'étais là, j'avais cru en 81, nous sommes maintenant en 82, donc je suis encore jeune dans la foi. Ce que j'ai remarqué, après cette prière, Madame Gassa fut guérie complètement. Elle a pris du poids, j'ai gardé sa photo de 82 en 85 quand j'allais en stage au Sénégal. Donc, j'ai compris une chose, les démons sont derrière les maladies. Et j'étais très content, je me disais qu'il y avait déjà la solution pour délivrer tout ce qui sont possédés. Je vais donc réaliser quelque chose plus tard. Nous avons délivré certaines personnes, les démons sont revenus. Alors que chez les autres, les démons n'étaient pas revenus. J'ai posé donc la question à Dieu, pourquoi ces personnes n'étaient pas toujours délivrées? Alors le Seigneur m'a donc révélé que certaines personnes sont possédées par envoûtement. C'est-à-dire le démon qui les suit est venu par envoûtement. C'est-à-dire on l'a envoyé. C'est-à-dire la sorcellerie a envoyé ce démon pour loger chez lui. Alors le Seigneur me faisait comprendre que comme la sorcellerie utilise les liens, plusieurs types de liens, particulièrement les liens de filiation, on peut utiliser le lien de filiation pour t'envoûter, on peut utiliser le lien professionnel pour t'envoûter. On peut utiliser le quand lien... Quand on parle de lien professionnel... C'est-à-dire, si vous travaillez dans une même entreprise, un collègue peut vous envoûter parce qu'il veut être nommé, il veut être promu et il veut qu'on vous oublie. Il va chez le marabout, il dit au marabout qu'il y a des promotions en vue, il y a des nominations en vue, je veux qu'on me nomme chef service, mais nous sommes deux. On peut lui donner quelque chose, on dit qu'il va déposer devant sa porte ou bien sous son bureau ou bien dans ses tiroirs. Et dès qu'on sacrifie au diable contre toi, tu verras que tu perds la grâce des hommes. C'est-à-dire qu'on te voit, on ne t'aime plus. Si tu possèdes quelque chose, on va arracher. Quand bien même cette personne sera en Christ? Non, le diable utilise des failles pour toucher un enfant de Dieu. On cherche est-ce qu'il est en bonne santé spirituelle ou bien il est en mauvaise santé spirituelle. En effet. David dit que l'ennemi l'a surpris pendant le temps de détresse. D'accord. Peut-être qu'il a eu un malheur, il pleurait beaucoup, il a perdu la puissance du Saint-Esprit, l'ennemi vient profiter. Tu peux être un enfant de Dieu, tu tombes dans la convoitise, une porte s'ouvre, l'ennemi entre. Tu peux être un enfant de Dieu et puis tu convoites les biens d'un païen et puis la porte s'ouvre, le diable entre. Mais si un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit et il n'aime pas le monde, il adore Dieu, il prie sans cesse en esprit et avec l'intelligence, on ne peut pas l'envoûter. Et donc, c'est comme ça. C'est pour cette raison qu'on dit « fuyez l'idolâtrie ». En fait, l'idolâtrie ouvre une grande porte à l'ennemi, à Satan. L'idolâtrie, c'est le fait de déclasser Dieu, c'est-à-dire de donner la place de Dieu aux choses ou aux hommes. D'accord. Il y a l'idolâtrie criminelle qui consiste même à sacrifier les hommes pour les dieux. Et quand le Seigneur m'a révélé que pour désenvoûter les gens, il faut faire le brisement des liens, c'est là où nous avons publié le premier livre, le brisement des liens malsains. Alors, nous avons donc eu à briser des liens
Et nous avons obtenu des témoignages authentiques, des guérisons authentiques, des femmes stériles qui ont accouché, des malades qui sont guéris, alors là, des pauvres qui sont devenus riches, prospères. Et après cela, nous avons encore constaté d'autres blocages. En dépit du brisement des liens. En dépit du brisement des liens, des gens qu'on a vu, chez qui on a vu chasser les démons, des gens dont on a brisé les liens de famille malsains, avaient toujours... Des gens qui même au préalable se sont repentis. Non, nous parlons ici des enfants de Dieu. Nous ne délivrons pas les païens. Pas parce que c'est impossible. Mm-hmm. Si tu délivres un païen, tu lui crées des problèmes. Oh, oui, en effet. Parce en que effet. Les démons vont revenir. Mm-hmm. Et là, Jésus dit que la condition de celui-là sera pire que la première. Donc il est bon de conduire quelqu'un à Christ, c'est-à-dire de l'introduire dans la lumière avant de chasser les démons. Si les démons sont chassés et que la maison est dans la lumière, ils ne peuvent plus revenir. Si on chasse les démons et la maison est dans l'obscurité, ils reviennent. Et fois 7, Jésus dit fois 7. J'ai donc commencé à prier et c'est vers les années 90 que le Seigneur a commencé à me parler de la sorcellerie. Après, les révélations sur le brisement des liens, le Seigneur m'a parlé de la malédiction divine. Il m'a fait comprendre que tous les problèmes que les gens rencontrent ne viennent pas nécessairement du diable. Même si le diable est derrière, c'est Dieu qui lui donne la possibilité de le faire. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Quand tu ne veux pas le servir, comme dit Romain, quand il se révèle à toi comme ton Père, ton Créateur, et que tu refuses, qu'est-ce qu'il fait? Il te livre au penchant de ton cœur. Quand Dieu te livre, les démons peuvent maintenant s'amuser dans ta vie. Ils peuvent te presser. Écoute très bien. Je vais te lire un passage dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14. « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Qu'est-ce qui s'est passé ici? Saül est un roi, c'est le premier roi d'Israël. Quand le peuple avait demandé à Dieu de lui donner un roi, Dieu même a choisi Saül. Et Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu a donné à Saül un autre cœur. Et la parole dit que Dieu a oint Saül du Saint-Esprit. Il a même prophétisé. Bon, quand le Seigneur lui donne la première mission, c'était d'aller exterminer les Amalécites. Il a raté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a épargné les brebis grasses. Il a même épargné le roi. Dieu lui avait dit d'exterminer, de ne même rien prendre des Amalécites. Bon, ayant raté la mission de cette manière-là, Dieu a retiré son esprit. Il dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Dieu n'a pas les mauvais esprits qui viennent de lui. C'est une manière de dire que Dieu a laissé un mauvais esprit venir l'agiter. Donc, il était un peu comme un dépressif, comme un fou. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu l'a quitté. Donc, quand tu abandonnes Dieu, Dieu peut te livrer aux puissances des ténèbres. On appelle ça la malédiction divine. Ce n'est pas le diable qui t'a attaqué, c'est que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a rejeté. Quand Dieu te rejette, beaucoup de phénomènes spirituels vont se passer contre toi. Donc, quand Dieu rejette un homme, c'est ce qu'on appelle la malédiction divine. Oui, c'est quand on vit dans la désobéissance, dans la rébellion, dans l'idolâtrie, on vit sous la malédiction divine. Ce n'est pas le diable, Dieu lui-même. De telle sorte que si tu consultes même Satan pour t'aider à te délivrer, tu ne pourras pas. Même si on jeûne, on prie, ça ne peut pas marcher. Nous allons voir la voie que Dieu a tracée pour la délivrance de ceux qui sont sous la malédiction divine. Donc, quand les hommes se forcent et se débrouillent pour s'en sortir, ils ne peuvent pas réussir. Non, parce que ça vient de très loin. Ça vient de très loin, ça vient de Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison qu'il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, il faut avoir Dieu avec soi. Il faut que Dieu soit notre rempart, notre bouclier. Donc, c'est ce que je peux vous dire au sujet de d'où viennent les principautés. D'autre part, si vous voulez, je peux vous montrer un autre exemple dans le livre des Juges. Je voudrais que nous continuions l'exigence de la révélation. Oui, je disais déjà que le Seigneur nous avait donc révélé que il y a des gens qui sont sous sa malédiction, comme Saül, comme nous venons de voir. Saül qui a désobéi et Dieu envoie un mauvais esprit l'agiter. Donc, il souffre parce que Dieu est contre lui. Et il y a d'autres exemples.
l'exemple d'Élie, dont la famille avait méprisé les offrandes et les sacrifices. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a maudit par la mort précoce, il l'a maudit par la pauvreté perpétuelle. Il dit, il n'y aura pas de vieillards dans la famille d'Élie. Et il dit, ceux qui vont subsister vont manger du pain. Quand Dieu maudit de cette manière-là, il assujettit les personnes aux puissances sataniques. C'est-à-dire, il les laisse, comme ils veulent servir le diable, il dit, bon, allez donc, et le diable commence à dominer sur eux. Donc, le renversement des principautés est l'ensemble des procédures spirituelles qui permettent aux croyants d'obtenir la victoire sur les esprits que Dieu lui-même a envoyé dominer sur lui. C'est une manière que Dieu montre pour que le croyant puisse l'invoquer, pour que lui-même Dieu vienne au secours du croyant et le délivre des ennemis. C'est comme les enfants d'Israël en Égypte. Dieu les envoie en Égypte, ils sont là-bas assujettis. C'est Dieu qui s'en va combattre pour qu'ils soient libérés. Donc, c'est comme les enfants d'Israël qui pêchent contre Dieu. Dieu envoie les rois étrangers dominer sur eux. Quand ils prient maintenant et invoquent Dieu, Dieu envoie un autre roi qui vient les terrasser. C'est-à-dire qu'il vient terrasser le roi dominateur pour libérer le peuple de Dieu qui est en train de faire la repentance. Pour dire que le péché, l'idolâtrie, la rébellion sont des causes de la déchéance, les causes du rejet, de l'abandon de l'homme. C'est-à-dire que Dieu rejette l'homme à cause de ces choses-là. Et quand l'homme est rejeté de cette manière-là, les démons vont régner sur lui. Jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne leur demander de quitter. Si Dieu ne vient pas leur demander de quitter, ils seront toujours là. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est dans la quête d'une solution durable pour la délivrance des saints que le Seigneur a donné la solution de renversement des principautés personnelles et familiales. Comment les renverser? Ou bien vous avez quelque chose à ajouter? J'aimerais dire une chose. Il y a beaucoup de choses que Dieu a décidé de révéler à l'homme. Et quand Dieu te donne un peuple, quand tu es dirigeant, vraiment, je rends ce témoignage, Dieu ne peut pas te laisser sans révélation. Parce qu'il te donne son peuple pour que tu puisses les conduire. Si le peuple a des problèmes que tu ne comprends pas, ce n'est pas bien. Donc, il y a une sagesse que Dieu donne, qui apporte la révélation, qui apporte la compréhension des mystères. C'est ça qui a permis que je sache qu'il y a au-delà des démons, une organisation humaine des méchants qu'on appelle la sorcellerie. Le Seigneur m'a révélé que quoi? Que la sorcellerie n'est pas un esprit conscient, c'est le corps. C'est un corps comme l'Église qui est le corps de Christ. Donc, c'est les gens qui adorent le diable. Certains sont morts, il y en a qui sont vivants. Ils forment un corps, comme l'Église forme un corps avec les saints qui nous ont dévancés. Et puis, la tête qui est Jésus et le Saint-Esprit qui est la puissance qu'il nous donne. Donc, l'Église a le Seigneur Jésus, il a les saints qui sont vivants, les saints qui sont morts, et il y a le Saint-Esprit qui est leur onction. Mais le diable a aussi la tête des sorciers. Ils ont les démons qu'ils utilisent, les principautés par exemple. Et puis, il y a les sorciers morts et les sorciers vivants qui travaillent ensemble. Donc, il y a deux corps dans le monde qui sont en conflit. Et ce n'est pas ce conflit, Dieu le laisse pourquoi? Parce qu'il est en train de sauver les hommes. Sinon, nous savons qu'à la fin, c'est l'Église qui va vaincre et l'ennemi sera écrasé. Tous les sorciers seront liés et jetés dans le lac de feu. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? Il y a les principautés personnelles. Ce sont les esprits qui s'occupent des individus. On peut appeler ça l'homme fort de la vie de chacun. Et il y a les principautés de la famille. Donc, le diable a placé des esprits pour veiller sur ses intérêts. Donc, sur un individu, il place un prince. Sur la famille, il place un prince. Sur le village, sur la ville, sur la nation, ainsi de suite. Et lui, il n'a pas la puissance pour être partout comme Dieu. Dieu, lui, il est partout en même temps. Donc, le diable ne peut pas être partout en même temps. Donc, il utilise les postes des principautés. Il affecte les démons qui veillent sur ses intérêts. Bon, maintenant, quand un individu est attaché au péché et qu'il aime ce péché, ça crée une idolâtrie dans son esprit. Donc, c'est un péché qu'il aime, dont il ne veut pas se séparer. Dans Osée chapitre 4, verset 17 par exemple, nous pouvons le lire. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le.
Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne délivre pas les idolâtres. Parce qu'en fait, l'idolâtrie est un grand crime. C'est le péché contre le premier commandement. Le premier commandement dit que quoi? Que Dieu est le seul. Qu'on ne doit pas avoir notre Dieu devant notre face. Donc, Dieu peut te délivrer des maladies, des démons. Mais quand tu dis à Dieu que tu ne l'aimes pas, que tu aimes telle chose plus que lui, il dit qu'on te laisse. Il dit qu'on te laisse. Donc, quand on te laisse, le démon va dominer sur toi. C'est ça qu'on appelle principauté personnelle. Il ne domine pas sur toute la famille. Il domine sur toi en tant qu'individu. Parce que tu es attaché à ce péché-là. Donc, par exemple, l'esprit qui agite Saül n'agite pas tout Israël. Donc, c'est une principauté contre Saül. Maintenant, il y a des péchés collectifs. Il y a des péchés comme danser, les masques, aller se consacrer à l'eau et pratiquer l'excision populaire. Il y a des péchés qui sont devenus culturels dans certaines régions. On dit ceux-là, ils aiment l'alcool, c'est, ils aiment les femmes, ils aiment les moralités. Et puis, ils sont orgueilleux, ils aiment ça. La Bible dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc, ils ne rougissent plus, ils aiment le péché, ils aiment quand on dit qu'ils sont paresseux. Il y a des gens qui ont dit que ça, ce sont des paresseux, et puis ils sont contents. Les gens disent que nous sommes les paresseux, et puis ils sont contents. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Quand un péché devient collectif, quand une idolâtrie est collective, Dieu maudit aussi toute la communauté qui pratique cette idolâtrie-là, ou alors toute la famille, pour ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui. Donc, quand Dieu maudit toute une famille, on appelle ça la malédiction divine sur la famille. Et ça entraîne automatiquement au règne des principautés familiale. Parce que le démon qui va venir assujettir une famille que Dieu a maudite, c'est ce démon-là qu'on appelle principauté familiale. Principauté même, c'est quoi? D'une manière définitionnelle, principauté, c'est un petit territoire dominé par un prince. Donc, quand tu es sous le règne d'une principauté, ça veut dire qu'il y a le prince, il y a son rayon d'action et il y a les démons qui sont avec lui. Donc lui, il est peut-être le prince de ton village. Donc le village est une petite principauté. Lui, il est le chef. Et puis il y a beaucoup de démons, même les sorciers sont sous son autorité. Pour le renverser, qu'est-ce qu'on fait? Avant de répondre à cette question capitale, cette principauté qui règne sur la famille, si dedans sort un enfant, quelqu'un qui donne la vie à Jésus, qui se convertit, qui est sérieux avec Dieu, est-il sous cette malédiction? Parce que appartenant à cette famille... Oui. La malédiction divine ne quitte que quand Dieu trouve l'intercession adéquate. Tant que Dieu n'a pas trouvé une intercession adéquate, même si tu as cru, la malédiction familiale reste. Et l'intercession adéquate ici, c'est quoi? C'est l'intercession pour toute la famille, pas pour toi. D'accord. Si un enfant de Dieu souffre d'une maladie qui tue les membres de la famille depuis des générations, et puis il donne la vie à Jésus, il a cette maladie, et il dit « Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi », il ne peut pas être guéri. Parce que la malédiction... Dieu a demandé à cette maladie de régner sur tous les membres de la famille. Et Dieu n'a pas encore décidé le contraire. C'est-à-dire, Dieu n'a pas encore décidé que cette maladie-là quitte la famille. Si quelqu'un croit et qu'il est un enfant de Dieu, il est déjà béni, bien placé pour initier une bataille pour que Dieu retire la malédiction. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le programme. Parce que si c'est compris, ça va créer l'action adéquate. Quand Dieu maudit une ville, par exemple, il dit il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, comme le cas de, comme il y avait prophétisé. Si un enfant de Dieu donne la vie à Jésus, il n'y aura pas l'eau chez lui. Ça, il faut qu'on retienne ça.
Il donne la vie à Jésus, il laisse tous les péchés, mais il ira avec le peuple chercher de l'eau, même si c'est à 20, 40, 50 kilomètres. Le principe doit être bien connu, mm-hmm. bien maîtrisé. Donc, quand Dieu donc prive une ville mm-hmm. de l'eau, si un individu se convertit et commence à prier que Dieu lui donne de l'eau à la maison, à lui seul, Dieu ne va pas le faire. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que Dieu veut, il a dit ça expressément. Quand les choses atteignent ce niveau-là, Dieu commence à chercher parmi les membres de la famille qui va prier pour la famille. Pas pour soi-même, pour la famille. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui va fermer la brèche, qui va se tenir à la brèche devant sa face. Tu vois, la brèche, c'est une ouverture que l'ennemi exploite. Donc, l'intercesseur va donc jouer deux rôles. Il empêche l'ennemi d'exploiter la brèche et il empêche Dieu de détruire la famille. Et Dieu aime ce poste-là. C'est-à-dire que Dieu aime les gens qui donnent leur vie pour le salut des autres. Quand tu es un homme, tu fermes la brèche et puis tu dis à Dieu, ne détruis pas. Non, Dieu te bénit. Quand il te bénit là, il t'exauce. Il t'exauce et puis il retire le jugement qu'il a prononcé contre la famille. Mmh. Et c'est là où toi-même, tu es béni. Mmh. Toi, un enfant de Dieu. Donc, en priant pour la famille, pour que Dieu retire la malédiction de la famille, on prie même pour soi-même. Mais c'est difficile de faire comprendre cela aux frères, aux croyants. Mmh. Pourquoi? Quand quelqu'un souffre, il veut prier pour lui-même. Bon. Ce qui est aussi bien dedans, c'est qu'il y a des gens qui ont prié pour eux-mêmes, ils ont été délivrés. Ça veut dire que la malédiction n'était pas collective. Donc, il ne faut pas imiter, il ne faut pas dire que telle personne a prié pour son problème et Dieu a résolu, moi aussi. Pour toi, peut être une malédiction de la famille. Et pour lui, ça peut être une malédiction individuelle. Il a plaidé, Dieu a pardonné et c'est parti. Dans le cas de malédiction familiale, c'est Dieu qui décide que cette famille ne doit pas se réjouir. Par exemple, le célibat, c'est quoi? Dieu décide que cette famille n'aura pas de mariage. Il n'y aura même pas de chant de fiancés. Toute la famille, hein, donc tu peux trouver une famille où personne ne se marie. Les enfants sont accouchés, les femmes abandonnent les maris abandonnent les épouses. Donc, c'est une confusion totale. Jusqu'à ce que quelqu'un se lève pour commencer à intercéder, S'il n'y a pas d'intercession, Dieu, voici comment Dieu raisonne. Pour parler comme des hommes, hein, Dieu se dit, si je laisse cette fille qui a cru se marier, mm-hmm. les sorciers vont se réjouir mm-hmm. que leur fille s'est mariée. Il ne veut pas ça. Donc, à cause de ça, tu peux rester sanctifié et célibataire. Parce que Dieu a dit sanctifié, sauvé, tout ça. Sauvé, oui, oui. Dieu ne veut pas que ta famille soit heureuse mm-hmm. parce qu'ils sont idolâtres. Mais si tu veux que Dieu pardonne, mm-hmm. toi qui as cru, tu dois commencer à intercéder. L'intercession, c'est quoi? C'est ça le problème. Mm-hmm. Tu pouvais me poser cette question-là. Mm-hmm. Voilà. Bon, répondez. L'intercession, répondez c'est quoi? À cette question alors. L'intercession, mm-hmm. c'est une prière fervente en faveur de quelqu'un d'autre. Il faut retenir ça. Beaucoup de personnes prient et elles pensent qu'elles intercèdent. Elles prient pour elles-mêmes. Les lamentations, les pleurs, tout ça là, ce n'est pas ça qui sauve une famille. Ce qui sauve une famille, c'est l'intercession. L'intercession, c'est quoi? C'est une prière en faveur d'une autre personne ou d'un autre groupe, pas pour toi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme commence à intercéder, ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est quoi? C'est la louange. C'est les proclamations prophétiques. Ce sont les requêtes. Les « Oh Seigneur, donne-moi telle chose ». Ce sont les bénédictions. Les supplications, voilà. Mm. Tout ce qu'on appelle, la Bible parle de toutes sortes de prières. Tout ce qu'on appelle prière, il faut prendre ça, pratiquer ça au profit de toute la famille. Donc, les supplications, mm-hmm. les requêtes, les proclamations, tout la louange,
C'est la louange qui a renversé le mur de Jéricho. C'est une arme, c'est la prière. Donc, même l'exercice de l'autorité, comme Josué, il a arrêté le soleil. Donc, tu exerces l'autorité. Si tu fais ça pour la famille, tu intercèdes. Si tu pries pour toi-même, même si tu fais 10 heures de prière sur toi-même, ce n'est pas l'intercession. L'intercession, c'est quand c'est pour les autres. Même si tu fais 30 secondes de prière pour quelqu'un d'autre, c'est l'intercession. Alors, donc, pour réussir à renverser les principautés, il faut juste intercéder. Il faut intercéder. C'est-à-dire, il faut s'oublier, s'identifier à sa famille et demander les choses pour le bonheur de la famille exclusivement. Sachant que la malédiction divine concernant la famille ne quitte pas d'une manière partielle. Tu viens, tu dis, Seigneur, sauve-moi, il enlève une partie. Quand Dieu va enlever, il enlève tout. Et il cherche les hommes qui peuvent l'amener à enlever tout. Il dit dans Ézéchiel, Ézéchiel 33, verset 11, lisons ça un peu. Il dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous ? Maison d'Israël. Vous voyez, s'il y a des bandits dans la famille, il y a les sorciers, il y a les voleurs, Dieu dit, je ne veux pas qu'ils périssent, je veux qu'ils changent et qu'ils vivent. L'intercesseur doit connaître cette volonté de Dieu. Bah, tu verras des gens, il dit, mon père est sorcier, il commence à prier qu'il meure, qu'il meure. Non, ils ne connaissent pas Dieu. Quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Jésus-Christ savait que son père veut le salut des âmes. Ah, mais pasteur, quand Dieu te révèle que c'est ton père qui te bloque, c'est ta mère qui te bloque, que tu n'arrives pas à rentrer dans tes bénédictions parce que ce sont eux qui sont à la base de cela, mais ça justifie les prières de retour à l'envoyeur. Écoute, est-ce qu'on ne peut pas comprendre une telle personne qui est frustrée? Écoute, nous sommes chrétiens. Chrétien veut dire que quoi? Que tu as l'esprit de Christ, que tu fais comme lui. En effet. La Bible dit qu'étant donc environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance vers la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a supporté la croix, méprisé l'ignominie. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, il a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. C'est-à-dire que Jésus savait que les gens veulent le tuer, mais il ne faisait que poursuivre la mission. Sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois le langage d'un intercesseur, des sorciers qui crucifient le Fils de Dieu, les méchants. Jésus dit à son Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un bon intercesseur s'identifie à sa famille et supplie Dieu de pardonner. Qu'est-ce que vous appelez s'identifier? S'identifier, c'est-à-dire ne pas dire, Seigneur, ils sont des mauvais types, sauve-les. Il dit, nous sommes, nous, ce sont tes parents. Pourquoi? La Bible dit que Dieu punit le péché jusqu'à la quatrième génération. Quand ton père a péché, même si toi tu es sanctifié, quand tu sais que ton père a péché, tu dois savoir que tu es concerné. Toi, ton père, ça fait deux générations. Ce n'est même pas encore quatre. Si tu ne pries pas, ça va toucher les autres, ça fait trois. Tu ne pries pas, ça touche les enfants de tes enfants, les petits-enfants de tes enfants. Ça fait quatre générations. Donc, tu peux voir quatre générations qui sombrent parce qu'il n'y a personne pour intercéder. Et c'est ce que Dieu dit dans Ézéchiel 22. Il dit, il cherche un homme. Il cherche... Pose-toi la question, avec tous les bruits qui sont sur la terre, les gens qui prient, qui jeûnent, Dieu dit qu'il cherche un homme. Comment Dieu peut-il chercher un homme, il ne trouve pas. S'il disait même qu'il cherche et qu'il a trouvé, on pouvait comprendre. Il dit qu'il cherche, il n'a pas trouvé. Écoute, Ézéchiel 22, verset 30 à 31. Je cherche parmi eux un homme qui élève mieux. Pour être complet, pour que la compréhension soit facile. Commençons un peu plus loin, au verset 24. Fils de l'homme. Dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leurs proies.
Il dévore les âmes. Il dévore les âmes. Il s'empare des richesses et des choses précieuses. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent la loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur, ce qui est impur et ce qui est pur. Et verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Écoute alors, quand Dieu ne trouve pas d'intercesseur, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui-même qui commence à détruire. Ce n'est même pas le diable. Il dit, je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Et c'est ce qu'il avait déjà dit pour montrer que la parole de Dieu est la même et ne change pas. C'est ce qu'il avait déjà dit dans Ésaïe 59. Un jour, Dieu m'a dit, enseigne mon peuple de me craindre. Les gens craignent le diable alors que le diable ne peut rien contre. C'est Dieu, quand Dieu est fâché contre toi, il faut faire attention. Il dit ici, par exemple, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée et le salut s'était éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il n'a pas vu d'intercesseur et il se met donc en guerre pour détruire les méchants. Parce qu'il n'y a pas de prière pour eux. Il n'a pas trouvé. Il dit, il se réveille de sa justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête un casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles, etc. Donc, quand Dieu ne trouve pas un intercesseur, c'est une catastrophe. C'est ça qui arrive dans les familles. La misère, donc, augmente. Et plus la misère augmente, plus les gens pensent qu'il faut aller sacrifier encore davantage. Et plus Dieu frappe encore. Alors, pour être sage, quand on devient enfant de Dieu, il faut s'ériger systématiquement. Qu'on te méprise, qu'on te respecte, on te persécute. Ne regarde pas ça parce que tu es un serviteur de Dieu. Un intercesseur, c'est un serviteur de Dieu. Il est couvrier avec Dieu. Dieu veut que... Il y a une juridiction divine. Dieu veut que l'homme se tienne et que Dieu exauce l'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tout se passe comme si il y a un chef, disons une autorité, bon, disons même un président de la République, disons ça comme ça, qui à promulguer des lois contre les voleurs, d'ici quelqu'un vole, peine capitale, etc. Et puis, on lui dit, on a saisi et on a arrêté des gens, ton fils est parmi les malfaiteurs. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il a déjà signé les textes que si quelqu'un vole, on le tue. Il crée donc le corps des avocats. Et il dit qu'un avocat, c'est celui qui peut défendre le coupable. Et si l'avocat défend le coupable, le président peut libérer la personne, même s'il était programmé pour la peine capitale. Alors, on vient dire à un président, voilà ton fils est parmi les meurtriers. Le président, qui a créé le corps des avocats, prend un avocat qui intercède pour son fils et le président libère l'enfant. C'est ce que Dieu fait. Il fait ça pourquoi? La Bible dit qu'il sauve l'homme
tout en demeurant juste. C'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, Dieu veut sauver l'homme, mais il ne peut pas sauver en péchant. Donc, il veut sauver l'homme, mais en demeurant juste. Il veut te libérer, mais en exaucant quelqu'un qu'il appelle intercesseur. L'intercesseur, c'est donc qui? C'est quelqu'un qui a rempli les conditions. Il a travaillé. Rappelez ces conditions-là rapidement. Oui, c'est-à-dire qu'il a travaillé pour se réconcilier avec Dieu. Oui. C'est-à-dire que si le peuple vit dans le vol, l'adultère, la fornication, le maître, il quitte ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit dans Ézéchiel qu'il faut qu'il se tienne devant ma face, qu'il se tienne à la brèche devant ma face. Donc, cette position devant la face de Dieu symbolise une vie agréable à Dieu. Une vie où tu peux dire à Dieu, c'est vrai, nous sommes pécheurs, tu as raison, j'arrête, s'il te plaît. Ils n'ont pas encore arrêté, mais je continue à prier, délivre-nous. Donc, quand tu remplis ces conditions-là, tu es agréable à Dieu. Bon, pour nous les saints, pour nous les enfants de Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a payé le prix pour que la route soit ouverte, pour que l'accès au sanctuaire soit possible à n'importe quel homme. Sans Jésus, on ne pouvait pas prier ailleurs, si ce n'est à Jérusalem. Ou alors, on pouvait prier quelque part, mais en regardant dans la direction de Jérusalem. Parce que c'est là-bas qu'il y avait le temple. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a détruit, il a déchiré le voile. Quand il est mort, le voile fut déchiré en même temps. Bon, maintenant, voici ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Écoute très bien. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Quatre choses pour exploiter cet avantage. Jésus n'a pas laissé qu'on se débrouille avant de parvenir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a ouvert la porte. Maintenant, il dit, vous savez, mes frères, vous êtes mes frères, passez par ici. Bon, le Père n'aime pas ce que vous faites, donc abandonnez ça. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Ça, c'est là contre l'hypocrisie. Quand tu veux t'approcher de Dieu, ne sois pas hypocrite. Sois sincère. Sois sincère. Si tu dis la vérité, ne mens pas partout. Et Dieu n'aime pas les hypocrites, les duplicites, les hommes rusés. Et il dit, dans la plénitude de la foi, il n'aime pas l'incrédulité. Il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il le cherche. Si tu penses que la vie du monde est plus que la vie de Dieu, tu as déjà perdu. Si tu sais que Dieu existe et qu'il paye plus que ce que tu as vu sur la terre, et tu viens donc vers lui en disant que je préfère servir le vrai Dieu qui a le vrai salaire, ce que la Bible appelle les richesses, le poids éternel des richesses. Tu ne peux même pas estimer. Bon. Et puis il dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et si il est question de la culpabilité. La mauvaise conscience vient de la culpabilité. Si tu vis dans le péché, tu n'auras jamais une bonne conscience. Donc, on purifie sa conscience en quoi faisant? En confessant ses péchés, en les abandonnant et en permettant au sang de Jésus
de te laver la conscience. C'est une chose, c'est un mystère. Mm-hmm. Quand tu remplis les conditions, Dieu l'accomplit pour toi et en toi. Et il dit, les corps lavés d'une eau pure. Ici, il s'agit de la sanctification. La sanctification ici a plusieurs dimensions. Il y a le fait même de quitter un milieu. Mm-hmm. Il y a le fait de quitter les mauvaises compagnies. C'est-à-dire que le corps doit se sanctifier. Le corps doit s'éloigner du mal. Mm-hmm. Voilà. Le corps, ici, le corps s'éloigne du mal. Le corps se purifie. Et là, l'action de la parole de Dieu agit et il y a l'action du Saint-Esprit. Donc, quand tu as rassemblé ces quatre conditions, tu entres par la porte. Tu es qualifié. Tu entres dans le sanctuaire. Mm-hmm. Pour aller faire quoi? Écoute très bien. Quand tu entres dans le sanctuaire, par exemple, la famille est pauvre. Tu n'entres pas pour dire, Seigneur, délivre-nous de la pauvreté, délivre-nous de la pauvreté. Quelqu'un peut prier comme ça pendant 100 ans, rien ne change. Quand tu entres dans le sanctuaire, tu vises une chose, la miséricorde de Dieu pour la famille. Tu veux qu'ils te disent que j'ai compris. Je veux vous bénir. Donc, écoute très bien. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi. Tu vois, ça vient toujours là. Mm-hmm. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et puis, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, l'intercesseur qui est entré dans le sanctuaire, il oublie qu'ils sont malades, il oublie. Il dit à Dieu, « Oh Seigneur, ta miséricorde, pardonne, nos crimes sont nombreux, pardonne. » Il supplie Dieu jusqu'à ce que Dieu lui dise que « Je vous pardonne. » Et la parole dit que celui qui a trouvé ainsi, celui qui a obtenu ainsi la miséricorde, trouvera grâce devant Dieu et Dieu va résoudre son problème. Donc, le problème vient à la troisième position des choses que tu recherches. Quelqu'un qui ne travaille pas. Quel est son vrai besoin? La miséricorde, la grâce de Dieu, le travail. Mais il laisse d'abord le travail. Il veut obtenir miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est quand Dieu décide de te pardonner. Et beaucoup de personnes s'amusent parce que quand elles s'approchent de Dieu, elles présument qu'elles sont sanctifiées, mm-hmm. qu'elles sont saintes. Un grand prophète comme Isaïe, pour plaider dans ce qu'on appelle la prière du peuple, qu'est-ce qu'Isaïe fait? Vous avez parlé de la doctrine qui encadre, hein, mm-hmm. donc c'est dense. Si nous prenons un intercesseur comme Isaïe, un prophète comme Isaïe, parce que la plupart des prophètes ont été des grands intercesseurs. Bon, si nous prenons le texte que nous avons dans Isaïe 64, écoute très bien. Mm-hmm. Je commence au verset 1 mm-hmm. pour une bonne compréhension. Oui, Isaïe combien? Isaïe 64. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris
comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par les faits de nos crimes, etc. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, il y a des gens, bon, je disais qu'il y a des gens qui prêchent, je pense qu'ils sont saints. Mais le prophète, pour toucher le cœur de Dieu, dit que même quand nous sommes saints, même quand nous sommes purs, notre justice même est comme un vêtement souillé. Ça veut dire qu'un homme sera toujours souillé devant Dieu. Pas pour que chacun doit s'encourager dans le mal en disant « Ah, nous sommes tous des pécheurs ». Dieu veut que l'homme prouve d'abord qu'il est sincère en se sanctifiant, c'est-à-dire en se repentant. Ça, c'est le préalable. Ça, c'est le préalable. Maintenant, quand tu te repens, c'est là où Dieu te purifie par le sang de son Fils. Parce qu'il a vu déjà ton effort. Il dit, si quelqu'un se consacre à lui, il obtient sa miséricorde. Donc, tu entres dans le sanctuaire parce que le sang de Jésus a ouvert la voie. Et puis, tu t'en vas plaider miséricorde et tu plaides grâce. Alors, quand Dieu exauce, lui-même enlève l'ennemi de ton chemin. Il l'anéantit, il écrase. Et quand il écrase, il restaure. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le gazam et le hazil, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ça veut dire que quoi? Les sauterelles que tu vois là, qui attaquent ta vie, qui s'attaquent à tes biens, viennent de qui? De Dieu. Donc, tu as parlé de l'envoyer à l'envoyeur. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Il y a des moments où c'est Dieu lui-même qui est l'envoyeur. Il faut faire attention. Et puis, il faut être miséricordieux. Il faut faire comme Jésus. Finalement, ça produit des résultats. Oui, ça produit des résultats. Nous avons des grands témoignages. Nous sommes en pleine croisade. Nous avons déjà délivré plein d'enfants. Les enfants, ils viennent avec leurs parents. Ils disent, on m'avait invité, on m'a donné la sorcellerie, j'ai attaqué mon père. On a déjà délivré plein d'enfants comme ça. Donc, pendant cette croisade. Donc, Dieu est vivant.